Bonjour à tous. Bienvenue à votre émission Le Saint du jour. Aujourd'hui, 3 novembre, l'Église célèbre Saint Martin de Porres. Fils d'une ancienne esclave noire du Pérou et d'un noble d'Espagne, il supportera toute sa vie les humiliations et le mépris que lui attirait le racisme dû à sa peau noire. Il entre après chez les frères dominicains à Lima. Dès son jeune âge, il faisait preuve d'une charité légendaire. En effet, il partageait son pain avec plus pauvres que lui. Son expertise dans la fabrication de médicaments à base de plantes fut profitable à tout le couvent. Sa bonté envers les animaux domestiques le rend très populaire chez les Indiens. Ayant une intimité extrême avec le Seigneur par sa vie de prière, il était gratifié de tant de grâces mystiques. On le représente toujours avec un balai parce qu'on lui avait confié le nettoyage de la maison religieuse. Saint Martin de Porres est le saint patron des Noirs, des Métis, de l'antiracisme dans l'entourage et au travail. Il est invoqué pour se débarrasser des ennemis nuisibles, des rongeurs, des bêtes indésirables. Réputé pour ses nombreux miracles qui lui sont attribués, on l'invoque également pour chasser et anéantir les forces du mal, pour éloigner les ennemis visibles et invisibles, connus ou inconnus, et pour guérir les maladies. Saint Martin de Porres, priez pour nous. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Martin, Martha ou Martine. C'était le Saint du jour. À demain avec la grâce de Dieu.